Salut les amis, c'est Alexios Youf. Aujourd'hui on va vous présenter notre nouveau serveur Illimity. Qui va s'agrandir petit à petit, donc on fera peut-être d'autres vidéos. Et on va peut-être demain je pense uploader une vidéo pour le recrutement. Donc déjà on va vous présenter les quelques bâtiments qu'on a commencé. Allez-y, partez, passez devant les amis, je vous suis. Ok, je regarde juste les panneaux, voilà. Je remets juste mon armure. Et c'est parti. Vous m'avez oublié, mais salut les amis, c'est SPR92. Et je fais la vidéo avec Alexios et Gamer pour la présentation de notre ville. Bien. Alors, dès que vous spawnez, vous pouvez voir les panneaux qui vous expliquent juste ce qu'il faut faire pour avoir une parcelle. Donc, et là, ils sont là. Les portails. On vous laissera lire. Hein. Voilà. Je vous montre juste les différents endroits. Hein. Voilà. Donc, alors, en bas, il y a les portails. Trois portails. Donc, celui-là que je vais emprunter maintenant. Hop. Moi aussi. Amène donc au désert. Car c'est assez chiant d'y aller à pied, on va dire. Donc, ici, là, vous pouvez miner. Donc, le désert, je rebooterai la partie du désert assez souvent. Ouais. Pour. Donc, on reprend le portail. Normalement, on revient. Moi, je peux pas, j'arrive pas. Ouais, pareil, moi aussi, j'ai un gros bug là. Je sais pas pourquoi comment ton frère a pu y aller, moi je peux pas. Bon, on va. Ouais, donc, normalement, ça marche. Hein. Donc, je vais utiliser slash spawn pour revenir là. Ah, c'est bon, ouais, ça a marché. À mon avis, il fallait rester dedans, mais bon. C'est peut-être la connexion, enfin, on sait pas. Voilà. Donc, ici, il y a le portail donc, qui conduit à un monde où, en fait, on peut casser tous les blocs, enfin, miner autant qu'on veut. Et le monde sera refait dès qu'il y aura une grande partie qui sera détruite. Donc, je vais essayer de reprendre le portail. Hop. Donc, voilà. Donc, une autre partie. Moi, j'y suis déjà allée. Et voilà, là vous pouvez miner, faire ce que vous voulez, des plantations, mais attention, c'est ouvert à tout le monde. Alors si vous faites des plantations, voilà. C'est un peu con. Si vous faites une agriculture, moi j'ai le droit d'y aller et de vous prendre toutes vos ressources, quoi. Voilà. Donc, là vous pouvez faire votre agriculture dans votre parcelle. Dans votre parcelle qui sera sécurisée avec World Guard. Hein. Alors comme ça. Moi j'y retourne. Ok, pareil. Hop là. C'est bon. Moi, est-ce que ça va marcher? Ouais, ça marche. Et ici, c'est le porte. On fait ça l'an dernier, vu que c'est le meilleur. Ouais, quand même. On fait ça l'an dernier parce que c'est. Alors voilà, on sort de la mairie. Ah, tiens, un mouton et une vache qui sont sur la boîte des nuits. Oh. Mais allez, Blir, à chaque fois que je tire une flèche, tu passes devant moi. Bon, bref. Alors donc, là, alors, on ici, voit en je noir vous présente la boîte de nuit. La boîte de nuit. Là, on va descendre rapidos. Alors là, c'est le bar avec dans le coffre. Des petites fioles d'eau pour s'éclater un peu. Ici, là, c'est mon petit coffre à moi. Tiens, Alexis, t'as reçu du débat, je suis en train de faire ça. Non, mais je m'en fous. Donc, en haut, il y a la terrasse. Mais j'ai mal lancé. Avec des tables, voilà, des tables basses. Voilà, hein. Bon, le meilleur pour la fin, hein. La boîte des nuits qui est en bas. Donc, je suis l'artificier et Antoine, on va dire l'illuminateur. Alors, fermez bien la porte avant d'allumer le circuit. Je ferme. Attention. Donc là, on ne voit rien, quasiment rien. 3, 2, 1, go. Donc là, les lumières clignotent et ça pète de partout. Ouais. Bon, ça bug un peu, par contre. On éteint là. Et voilà, tout s'éteint. Voilà. Bon, bref, vous avez à peu près vu ce que ça donne. Ça prend un petit temps pour s'éteindre, mais... Alors, je ferme. Et... Ensuite, on a nos maisons. Donc, on va peut-être vous les montrer comme ça, hein, rapidos. Ouais, on va à l'intérieur ou pas? Ouais, on peut montrer vite fait, quoi. Ok, on commence par laquelle? La tienne. Ok, j'arrive. Donc, la maison de ASGamer92. Donc, là, vous voyez le côté, hein. Le champ. Donc, c'est, je pense, la seule fois que vous la verrez, vu que... À part nous, les admins, les autres ne peuvent pas rentrer dans le serveur. À part si je laisse mes portes ouvertes. Ouais, ou si vous payez un abonnement admin. Voilà. Donc, voilà, je monte un petit coffre avec une corde, voilà. Donc pour info, ils sont private, hein. Avec ces private. Alors. Donc là, comme vous pouvez le voir, Daskoff est private by AsGamer92. Donc en haut, c'est la chambre avec une verrière. C'est simple. Voilà. Ensuite, on descend. Je propose qu'on fasse la maison de player. Ouais, ok. Ok.
Ensuite, on fait celle d'Iron Youth et on termine par la mienne. Et on peut montrer le centre commercial vite fait. Ouais, aussi, ouais. Juste le Hunger Games. Et après, Hunger Games aussi. Donc ici, c'est la maison de S-Player. Oh merde, je suis tombé dans la flotte. Donc elle est assez big, n'empêche. Hein. Ah, mais tu te fous de ma gueule, là? Tu m'as fermé la porte au nez? Ouais. Ici, petite cuisine, hein, c'est sympa. Ici, une douche. Et des toilettes. Ah oui, il y a des toilettes. Bon, vas-y, c'est mec, reste, rien, vas-y, mec, reste, hein. Reste sur la plaque pour voir ce qui se passe. Quand on a fini de faire les besoins. Vas-y, va dessus, mec. Va dessus pour le style. Non, sur la plaque. Bon, Ice-Player qui s'éclate. Et voilà, qui est coincé. Je l'ai coincé dedans. T'as resté dessus quand on tire la chasse, c'est comme quand... Mets-toi en créative au pire. Mets-toi en créative. Mais non, c'est bon, je prends mon mal. Bon, ouais. Bon voilà. Une petite poubelle. Là, une poubelle. Le salon avec une bibliothèque qui sert à le rien. Jardin, là, la piscine, le truc qui sert à rien. Quoi. Un petit jacuzzi. Ensuite, on monte avec ici bah, la télé là. Et un coffre avec de la bouffe. Ensuite, c'est les plantations. Là, c'est une chambre. Je sais pas si c'est la sienne, mais je pense pas. Non, c'est la chambre d'amis, ça. Ouais, c'est la chambre d'amis. D'amis. Voilà, avec une bibliothèque. Hein, le mec, il est tranquille. Hein. Double porte. Le truc qui sert à rien. Je vois pas pourquoi on met une double porte, mais bon. C'est plus sécurisé. C'est plus sécurisé. Bon, d'accord. Oh, bon, voilà. C'est plus sécurisant. Un tapis en crafting. Le truc qui sert aussi à rien. Des chiottes. Tiens, Alexandre, tu veux pas te mettre sur là? Mais allez, dans les chiottes, dans les chiottes. Ouais. Allez. T'as pas un autre escalier, mec, normalement? Si, Ouais, oui, là, je le vois, ouais. Là. Ouais. Alors là, on a une petite table de travail. Là, Là, c'est un panier pour chiens, mais... Ces chiens sont morts. Ces chiens sont morts. On se demande à cause de qui, hein. J'ai tué mon chien, il aboyait trop. Mais Mito, c'est moi qui tue les deux. Bon, allez. Alors ensuite, on va montrer la maison de Iron Youth. Donc on rentre pas dedans parce que c'est pas un mec important, on s'en fout. Non, je rigole, il est à côté de moi, il veut qu'on la montre. De quoi? Sa maison. De quoi? À mon frère. Ah ouais, d'accord, sa maison. Ok, bon, on va se la montrer. Vite fait. Donc, voilà, on la montre. Les arbis, sa maison. T'as vu, elle est trop zarbi. Donc là, on rentre. Il y a un canapé, un truc de cuisine là. Ensuite, il y a un lit, un toit, et c'est tout. Un toit. Truc très important. Il me dit qu'il y a une télé, ah ouais. Ça marche pas. Bon, ici, là, c'est ma baraque. Donc, on rentre. Là, il y a les coffres. Là, il y a un petit jardin qui sert à rien. Là, il y a une allée. Là, il y a mon jardin. Là, il y a mon jardin. Là, il y a un autre petit jardin. Là, il y a ma trappe. Là, il y a mes coffres. Et en haut, il y a ma chambre. Ça va pas, ça? De quoi? C'est pas On monte le centre commercial vite fait. Et après, ouais, rapido, ceci en gang. Donc, AS Gamer et AS Player ont déjà fait leur stand dans le centre commercial, mais moi, pas encore, je n'ai pas encore eu le temps. Alors, moi, c'est au rez-de-chaussée, vous allez voir. Moi, j'ai pas eu le temps. Alors, voilà. C'est juste tous les minerais à peu près et de la cobble. Sauf l'émeraude, parce que j'en ai pas assez encore. Donc là, il y a les aliments. Donc pommes, melon, poulet, chicken. Et de la soupe de champignons. T'as dit quoi? Poulet quoi? Chicken. Du chicken. Et en plantation, j'ai des graines d'arbres, de bouleau, d'arbres normales. Et j'ai aussi des graines de fleurs. Qui sert un peu à rien, tu peux dire qu'il est transformé en colorant en fait, ça sert un peu à rien. Oh, on a acheté beaucoup de gold de lingots. Je crois que j'en ai même plus.
Et en haut, ce sera mon stand, mais pour l'instant, il n'y a rien. Bon, allez, on va dans le portail Hunger Games et on va terminer là. Je vais mettre le jour. Ok. Because I don't like the night, because there are some monsters. Non, mais les jours, là, faut fermer les portes. Hein. Ouais, mais au pire, on les fermera hors caméra, c'est pas très grave. Donc, ici, alors là, c'est des terrains que j'ai aplatis. Donc, je pense que vous avez remarqué, c'est fait pouvoir d'édit. Hein. Et on va construire. Non, que l'aplatissement pour le centre commercial, on l'a fait nous-mêmes en créative. Ouais, on s'est bien fait chier. Ouais. Donc. Bon, Axon, il a plein de flèches sur lui. Il y a un squelette à l'intérieur. Oh, tu m'as tué. Oh, plaise, allez, Axon est mort. Attends, je te rends. Attends, j'ai une hache, Alexandre. Je te rends tes pastèques, t'as faux. Je crois que j'ai du fil. Ah, mais j'ai pas mis mes pastèques dans ma maison. Voilà. Donc, et ça, c'est le portail. Ah, attends, j'ai plein d'autres objets à toi, en fait. Mais oui, il manque plein d'objets. Tiens, la pelle. Tiens, la pioche. En plus, je les ai pas avant la vidéo. Tiens, l'autre pelle. Et tiens, ta hache. Ouais, puis je me vois dans la bête. Bon, et moi je passe sur le portail. Là, ouais, ça arrive. Pas de golem, mais je m'en fous. Et voilà. Voilà. Ouais. Donc, non, c'est pas de ce côté. Ah, si, c'est de ce côté. Donc, AG, hein. Hunger Games, pour ceux. Il faut... Pour ceux qu'il faut préciser, hein. Pour ceux qui sont trop cons. Alors là, c'est pour ceux qui n'ont pas admin, hein. Des petites cabines simples avec un lit et un coffre pour stocker des items. Vous faites slash c'est private, enfin le truc banal quoi. Vous sécurez votre coffre, vous dormez dans le lit. Il y a un endroit où on n'a pas rebouché. Hé. Ah ouais? Ouais. Bah fais-le pour moi s'il te plaît. Ouais, c'est fait. Alors là, nous c'est notre cabine VIP parce qu'on est admin, alors on a une cabine VIP pour nous. Trop la classe. Ouais. Trop la classe, hein, les copains. Donc, normalement, moi j'ai déjà sécurisé vos coffres, alors c'est bon normalement. Parce que j'ai fait un truc, je sais pas si ça a marché, mais bon. Ouais, t'as mis slash et private, nos noms et le tien. Voilà. Donc on appuie sur ce bouton, c'est la nuit, donc un cube de commande. Comme ça, on peut dormir. Allez, tout le monde dort. Venez dans vos lits. Oh, voilà, c'est bon. Alors maintenant, après, on se prépare tous à nos trucs. On va dire qu'on met nos objets. Ah oui, ouais, il faut mettre nos objets aussi, je suis con. Faut mettre nos objets dans les coffres. Ouais. Faut pas garder un truc, genre une épée. Non, tu gardes rien, tu mets tout. Donc ensuite, on fait slash time day. Donc non, c'est moi ici, toi tu bouges ton cul. Ok, bon, tu ouvres hein, quand tu veux. Ouais, c'est parti. Attendez, le mec, il pose mes. On s'en fout de toi. Hey, gamer. Où là? On doit se tuer? Ouais, bon, je pense qu'on va pas faire une vraie partie parce que là ça prendrait trop de temps. Ouais, on pourrait faire une partie dans une autre vidéo parce que là. C'était un petit fail. Donc, salut les amis. Hein. Et à la prochaine. Ah.